Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Je vous présente une chambre avec deux lit queen à l'hôtel Beach Club du Walt Disney World Resort. Donc pour ma chambre aujourd'hui, c'est un petit peu plus grand qu'à la normale. J'ai une chambre Resort View, mais je pense que j'ai eu un petit peu de pixie dust pour mon anniversaire. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, à l'entrée ici, on a la station café-thé. Et dans le tiroir ici, on n'a rien. Mais normalement, les items ici pourraient être dans le tiroir. Jamais vous ne les voyez pas sur le dessus. Ensuite, ici, c'est le mini-réfrigérateur, un petit peu plus grand qu'à la normale. Donc, on a l'ancien modèle, mais des fois, on a le modèle avec la porte vitrée. Ensuite, on a le garde-robe. Avec le support à valise et le coffre-fort. Ici, c'est le steamer. On a une couverture et également un oreiller supplémentaire ici. Lorsque je me retourne, on a la salle de bain. Pour vous, c'est un petit peu vert, là, mais c'est pas comme ça. Là. Donc là, la caméra s'ajuste. Donc, on a les deux lavabos. On a également des produits ici. La lotion Vanity, le shower cap, le mouthwash et le savon à main. Donc, très grand miroir, bien éclairé. De ce côté, on a la toilette, également un bain et douche, plusieurs serviettes et c'est une porte ici. Pour ce qui est de l'espace de la salle de bain, il n'y a pas de porte pour séparer ici les lavabos. Et ensuite, on va dans la grande chambre. Mais pour ma part, c'est très grand. Normalement, le divan ici devrait être de ce côté. La chambre devrait être un peu plus courte, mais là, elle est extra, extra large. Donc, on a les deux lits queen avec l'espace de rangement sous le lit. De ce côté, on a un meuble pour s'asseoir, attacher nos souliers. On a également plusieurs fenêtres là, disponibles. Un grand meuble de rangement si vous voulez vider vos valises. Un téléviseur intelligent. Ici, on a le deuxième lit. Donc, seulement une table de chevet ici. Il n'y a pas de tablette sur les côtés. Juste ici, vous avez, dans le fond, le bureau. Il y a une table en dessous que vous pouvez tirer, que vous pourriez amener ici, mettre la table ronde et tirer la chaise juste là pour pouvoir manger dans l'espace juste ici. Donc, le divan, ce n'est pas un divan-lit, je ne crois pas. Oui, c'est un divan-lit, donc il pourrait avoir... 6 personnes dans cette chambre-là, ça semble un divan-lit queen, alors quand même assez spécial. Normalement, ça serait un fifth sleeper, là. Ça dépend des types de chambres. Pour ma part, j'ai pas vraiment de balcon, là. C'est un demi-balcon. Puis j'ai la vue des villas et en bas ici, c'est le quick service, c'est les tables extérieures. Donc je vous montre la chambre une dernière fois. C'est vraiment immense et on va être très bien installé. Alors, c'est tout pour cette visite d'une chambre avec deux lit queens à l'hôtel Beach Club du Walt Disney World Resort en Floride. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un thumbs up et également à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!